everyone. Everyone in this game called love. I'm the winner, not the loser. Everyone, yeah. Everyone in this game called love. I'm the winner, not the loser. Everyone, woo! Everyone, a baby in this game called love. I'm the winner, not the loser. I'm the winner, not the loser. I'm Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te rend si joyeux? Karine, bébé, bienvenue dans mon monde. Sophia, tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, il est à moi. Oui, il est à moi et j'ai hâte de le voir. Reviens-moi, j'ai tellement hâte de le voir. Quoi? Tout ceci, c'est une histoire d'amour. Cette chose appelée amour est un jeu très dangereux. Comme deux œufs fragiles. Et ça peut mal finir. Et est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? Kiram, ma puce. Regarde, avec cet enfant dans mes entrailles, j'ai déjà gagné. Sophia, rappelle-toi, je ne ferai jamais partie de cette déception. Tu ne peux pas piéger un homme avec une grossesse. C'est complètement mal de faire ça. Ok? Je connais plus que toi, tu le sais, n'est-ce pas? Oh, tu crois que toutes tes relations se passent comme ça? Non. En y réfléchissant. Et si Jeffrey rentre et ne s'occupe pas de la responsabilité de cet enfant, que ferais-tu? Tu finiras par souffrir et être pauvre. Nous savons toutes les deux que Jeffrey ne fera jamais ça. Son amour pour les enfants est sans égal. Il ne refusera jamais la paternité de son propre enfant. Tu le crois vraiment? Hein? Je le sais. Prendre la responsabilité de son enfant n'est pas ce qui est requis. Il doit faire de toi sa femme. Tu devrais le savoir. Kiram, tu devrais être contente pour moi. Je t'en prie. In this game of love. Peu importe les mauvaises ondes. Je me demande bien ce que tu veux dire par là. De quoi est-ce que tu parles au juste? Et puis, pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu venu? Si tu n'es pas heureuse pour moi, t'es ici pour te foutre de moi. Tu ne t'occupes même pas de moi, t'as même pas fait le petit déjeuner pour moi, rien. Mentalité. Tu me parles de mentalité. Je ne sais même pas quoi faire. Qu'est-ce que je viens de chercher ici? T'es une personne très chiante. Regarde comment elle vient de briser mon esprit ce matin. Bébé, dépêche-toi de rentrer. J'en ai marre de ces conneries. Où as-tu gardé les saucisses? Oh! Kiram! Sophia? Kiram! Sophia? Je n'arrive pas à le croire. Regarde-toi. Ouais, comment tu vas? Ça fait des lustres. Tu m'as manqué. Tu as manqué à tout le monde. Ouais, vous m'avez aussi manqué. Où est Sophia? Sophia! Sophia? Elle sera trop excitée de te voir. J'espère Sophia. Qu'elle n'est pas sortie. Sophia, ton homme est de retour. Bébé? Tu vas bien? Bébé! Allez, ouvre!
seul bienvenu. Tu vas bien? Tu nous as fait peur. Bébé. Tu vas bien? Doucement. Tiens seul depuis tout ce temps. Désolée. Je me sens si mal. Le bébé arrive. Allons à l'hôpital. Attends. Doucement, vas-y doucement. Calme-toi, détends-toi. Je crois que cette grossesse est atteinte ce niveau. Nous devons l'amener à l'hôpital. Je ne pense pas. Tu m'as tellement manqué, chérie. Tu m'as aussi manqué, bébé. Je sais. Détends-toi. Alors. Respire. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Bébé. Quoi? Je crois qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Bébé, arrive. Viens, on va c'est le bébé qui vient. Quoi? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu... Une boisson énergisante ou quelque chose? J'ai besoin Kiram, de quelque chose. Est-ce conseillé de prendre une boisson énergisante pendant la grossesse? Je suis fatiguée. Regarde qui est là, bébé. Bébé, allez. Amenons-la à l'hôpital. Non, je pense que je vais lui donner quelque chose. Non, laisse-moi aller chercher. Non. Tu devrais rester là. Est-ce que tu devrais partir? Tu ne veux plus un truc à boire? Non. Détends-toi. Je vais aller chercher un truc. Je pense que j'ai quelque chose. Bébé, il faut qu'on aille voir le docteur. Détends-toi. S'il te plaît, dépêche-toi. Je reviens tout de suite. Ce n'est pas juste. Quelqu'un vient juste d'arriver d'un voyage. Tu ne le laisses même pas se reposer. Je ne blague pas. Sophia, tu es vraiment sûre que... Quoi? Je peux te... Lâche-moi. Je vais te laisser tranquille, comme d'habitude. Sophia. Sophia! Kiram, où est Sophia? Je ne la retrouve pas. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Chez les voisins. Je ne sais pas où elle est allée. Que veux-tu dire par fouiller partout? Je vous ai laissé toutes les deux ici. Mais où est-elle partie? Je ne sais pas. Elle était là. Nous étions toutes les deux. En fait, je ne sais même pas. Je ne sais pas où elle est allée. Peut-être que... Oh non. Sophia n'est pas comme ça d'habitude. Ce n'est pas son genre de faire ça. Elle ne reste pas loin ou ne va pas loin sans m'informer. Allô? Bonjour, est-ce que je parle à Monsieur Jeffrey? Oui, c'est le docteur Ben Okadjibo, spécialiste de l'hôpital San Antonio. Une personne inconnue a conduit une jeune femme dans mon établissement. Elle était inconsciente, mais maintenant elle vient de reprendre ses esprits. Elle s'appelle Sophia. Quoi? Et elle m'a donné ce numéro disant que vous êtes son petit ami. Oh oui. Mes félicitations, Jeffrey. Votre ami a donné naissance à une belle petite fille. Quel hôpital? Oh oui, je vous envoie l'adresse dans un instant. Ok, je serai là. Ouais, d'accord. Sophia est à l'hôpital. Quelqu'un l'a vu et l'a mis là-bas. D'accord. Alors, l'infirmière vous tiendra accompagnée, d'accord? Merci, docteur. Du courage. Bonjour. Oh, la maman des mamans. Comment va ma princesse? Aïe! Kiram, la maternité n'est pas du tout facile, non! Ah, vraiment? Ce bébé a commencé à hurler toute la nuit. Tu ne l'as pas entendu? Oh, j'ai failli perdre la tête. Je prie, on n'a presque pas dormi, je t'assure. Elle ne faisait que hurler, je ne sais pas. Ce qui est drôle, c'est que tu ne peux pas... Tu ne peux pas savoir ce qu'il veut, il n'arrête pas de pleurer. Tu dois juste deviner, c'est ça ou c'est ça. De toute façon, Jeffrey s'en est occupé. Dieu merci, si ce n'était pas lui, je ne sais pas comment j'aurais fait. Ah. Tu t'en remettras. Les bébés sont très beaux. Mais une fois qu'ils commencent à pleurer, ils deviennent autre chose. J'en témoigne.
J'aurais aimé que maman nous dise la moitié de ce qu'elle faisait avec nous. Je ne peux même pas imaginer. Meuf, je suis certaine que ce n'était pas du cadeau. Mais Jeffrey, hein? Non. Non, tu pouvais voir Jeffrey avec le bébé. La façon qu'il a bercé. Chanté pour elle. Il a changé ses cogito. Vraiment? Non, non. Je veux dire, on dirait que c'est ce qu'il attendait toute sa vie. C'est juste, je suis bénie. Je suis vraiment bénie. Ça me fait vraiment plaisir. Tu crois que j'aurais fait cette connerie si c'était pas une bonne personne? Grande sœur, j'aimerais que tu comprennes et que tu le dises aussi à tes grands-enfants. On ne piège pas un homme avec une grossesse. Je me suis fiancée sans faire quelque chose de ridicule. Ok? Kiram. Kiram. Que ce soit la dernière fois que nous aurons cette conversation, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Le fait que tu as eu la chance avec des hommes ne veut pas dire que tu vas devenir un cauchemar dans ma vie. S'il te plaît, arrête ça. Laisse-moi m'inquiéter de ça, ok? T'es-tu demandé pourquoi je ne l'ai pas fait avec les autres hommes avec lesquels je suis sortie? Pourquoi, Jeffrey? Pourquoi? Parce que c'est une bonne personne. Et je l'aime. Et je veux le garder. Je veux vraiment le garder. Ne peux-tu pas le comprendre? Et c'est juste d'être heureuse pour moi. Ok? Et c'est juste. S'il te plaît. Détrompe-toi. Je ne veux pas te faire te sentir mal. Ok? Alors, pourquoi est-ce que Jeffrey est soudainement rentré? Je sais pas, il a fini le projet qu'il faisait là-bas avant le temps, donc il s'est dit qu'il pouvait rentrer au lieu de rester là-bas. Oh, ok. Je l'ai toujours connu comme un homme responsable. Dans ce cas, il passera plus de temps avec nous, n'est-ce pas? Quoi? J'aurais aimé que ce soit le cas. Il y a un projet qu'il traite ici à Lagos. Une fois qu'il aura terminé, il repart directement pour Abidjan. Il est déjà signé. Je ne sais pas. Son entreprise est franchement bizarre. C'est bon. Le bébé. Viens. Mmh. T'as fini. Viens porter mon bébé. Non. Tu dois, choisis toujours. Je veux dire, tu peux faire une toute petite exception. Bien sûr que tu peux le faire. À la fin. Regarde-toi. Arrête ça, d'accord? Tu vois que... Non, arrête de rigoler. Arrête. Si tu vois ton visage... Ouais, ça me fait avoir l'air stupide. Bien là. Bébé, je vais juste te remercier de m'avoir rendu père. Je t'en prie. Tu sais, je t'aime. Je t'aime encore plus. Je veux dire, je t'aime vraiment. Et moi, je t'aime encore plus. T'es folle. Tu sais, je pensais que maintenant que nous avons notre bébé, je crois qu'il est temps de rendre notre mariage aussi heureux, tu vois. Ouais, je veux dire, on aurait dû le faire hors mariage, mais le fait que nous avons notre bébé maintenant, nous pourrions juste nous concentrer sur ça quand je n'aurai terminé avec mon projet. Mais tu sais que je dois reprendre le travail une fois que le bébé aura 3 mois. Tu dois prendre soin de mon bébé. Le bébé ne peut-il pas avoir 6 mois d'abord? Allez. Non, 3 mois. Non, 3 mois. Est-ce que tu vas rester avec moi pendant ce temps? Regarde-toi. Mais tu peux pas me faire ça. T'es trop sympa pour le faire. Je t'aime. Je sais que tu ne peux pas me faire un truc pareil. S'il te plaît. Une fois. Allez. Oh, bébé. Le lait du bébé est fini, donc je dois en acheter plus. Le lait du bébé est fini? T'es. Ça. Ne produisent pas encore du lait. Je croyais qu'en ce moment, il devait déjà produire. Quoi? Je n'ai même pas essayé. Pourquoi tu n'essayes pas? Je veux dire, au moins si tu essayes, tu verras probablement que tes seins produisent du lait.
Mais bébé, tu n'aimes pas les sans flasques. Je n'aime pas les sans flasques. Oui. Quoi? T'es sérieuse? C'est la raison pour laquelle tu ne donnes pas le lait à l'enfant parce que tu dis que je n'aime pas les sans flasques? Ou tu n'as aucune envie que tes sans changent? Bébé, ce n'est pas toi qui as dit... Regarde, le bébé ne se plaint pas, ok? Elle se nourrit bien, je veux dire, elle est déjà habituée au lait que je lui donne, donc c'est bon. Allez, je peux pas te croire. En fait, tu refuses le lait maternel à un enfant. Du lait pur, naturel. Ouais, du lait pur. Juste parce que tu crois que tes seins vont devenir flasques quand tu vas lui donner. Donc je suis vraiment, vraiment déçu par toi. Non, je suis franchement déçu par toi parce qu'on dirait que tu deviens une autre personne. Tu voulais ça, tu voulais un bébé. Pourquoi ne pas juste prendre soin du bébé comme le ferait une vraie mère? De quoi est-ce que tu parles? De quoi je parle? Attends, donc je ne suis pas une vraie mère, hein? T'es pas une vraie mère. Cette conversation est terminée. Je suis vraiment déçu par toi. C'est bon. Parce que je te reconnais même plus. S'il te plaît, laisse-moi. Tu sais quoi? Je vais vérifier ce sein et voir si... Laisse-moi faire. T'as dit que t'as fait pas de lait. Je vais vérifier ce sein. Je vais la vérifier. Mais quoi? La ferme! Tu vas la fermer. Je vais vérifier ce sein. Viens, fais voir tes seins. Pourquoi m'as-tu demandé de te retrouver ici? Aussi vrai que cela ne paraisse, j'ai constaté que je ne prenais plus de mes nouvelles, alors j'ai décidé de prendre de tes nouvelles. De quoi veux-tu qu'on parle? Il n'y a plus rien entre toi et moi. Notre contrat est terminé. Je constate que tu me vois toujours comme un parasite. Eh bien, tu sais que lorsque le négatif rencontre le positif, la partie contraire des deux est enlevée, tu vois? Que veux-tu dire? Eh bien, ne te dérange pas. Ah! Ben! Dépêche-toi d'entrer dans la voiture. Pourquoi? Rentre dans la voiture tout de suite! Pourquoi? Ben! Arrête cette voiture! Docteur Ben, si t'arrêtes pas cette voiture, je vais hurler kidnappeur! Qu'est-ce qui se passe? Qui est-elle? Qui est-elle? Une mère porteuse. Elle est l'une des mères porteuses. Tioma! Tioma! Oui, monsieur. Va rassembler quelques trucs pour le bébé. Et prépare-toi. Nous allons à l'hôtel, ok? Bébé, s'il te plaît. Quoi? Chérie, je t'en supplie. Laisse-moi t'expliquer, ok? Expliquer quoi? Je vais te dire la vérité, ok? J'ai l'hypoplasie, ma mère. Ça veut dire que mes seins ne peuvent plus produire le lait, s'il te plaît. Je ne savais pas comment te le dire. Regarde, tu peux le vérifier toi-même. Je dis la vérité, s'il te plaît. Oh, arrête. Comment est-ce que tu l'as su? Mon docteur. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais peur que tu le prennes mal. Il y a des choses que... Il y a des choses que tu ne peux pas cacher à un homme. Je devais me dire toute la vérité. Je suis désolée. S'il te plaît, bébé. Je suis désolée. Ah, attendez un instant, attendez. C'est vous? Ah, c'est vous, non? Vous ne vous souvenez plus de moi? Non. Ah, c'est vous, non? Je vous ai vu l'autre jour avec Dr. Ben au supermarché. Ah! Oui. Comment vas-tu? Ah,
Que faites-vous ici, non? Ah, je suis venue faire une course. Ah. Et toi, où vas-tu? Je marche juste. Je vais voir quelqu'un à quelques rues d'ici. Oh. Oh, ok, c'est ma route. Vas-y, entre. Je vais te déposer. Je vienne? Oui, vas-y, entre. Ok. Ok, mets ta ceinture. Honnêtement, je ne sais pas si je devrais te dire ça. Peut-être il peut avoir un moyen pour que tu m'aides. Je n'ai pas un endroit où habiter. Honnêtement, je ne fais que vagabonder dans la rue. Si je te dis que depuis aujourd'hui, je n'ai pas mangé, tu vas... Regarde-moi juste, je ne me suis même pas douchée. La vie n'a pas été facile. Au départ, je vous ai dit que j'allais quelque part là-devant pour voir quelqu'un. J'ai menti, oh. Ce bâtiment incomplet, là-bas, c'est là où je reste. Je ne sais pas s'il y a un moyen pour que tu puisses m'aider, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi juste. S'il te plaît. Tu vis dans ce bâtiment incomplet? Ah, si tu y vas, tu verras mes choses. Je ne mens pas. S'il te plaît. S'il y a un moyen de m'aider, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie, aide-moi. Ok. Je verrai ce que je peux faire, ok? Ah! Ah! Merci, merci. Allons chercher tes choses. Ok? Merci. Non, c'est bon, c'est bon, d'accord? C'est bon. Merci. C'est bon. T'inquiète pas. Alors, tu as dit que c'était urgent? Oui. Je me suis dit que je devais te dire que j'ai vu cette dame qui t'a harcelé. Non. C'est bon, elle n'a rien fait. Mais elle m'a raconté son histoire. Une histoire très triste. Et j'ai trouvé nécessaire de l'aider. Quoi? Tu as fait quoi? J'espère vraiment que tu ne l'as pas amenée chez toi. Ah non, bien sûr que non. Mais je l'ai amenée dans la maison des hôtes, bien sûr. Tu l'as emmenée dans la maison d'hôtes? Tu ne dois surtout pas, je dis bien jamais, t'approcher de cette femme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle est la mère porteuse de ton enfant. Cette droguée? Oh, je vois, contrairement à ce que je pensais, tu es déjà au courant. Oui, elle est une droguée. Et je n'avais pas le choix, elle était la seule qui était disponible, j'ai dû l'utiliser. Oh mon Dieu. Écoute, toi et moi devons tout faire pour ne pas être près de cette dame. Elle est une menace, elle peut ruiner nos vies, elle est une prostituée, elle est un maître chanteur, elle est une toxicomane. Elle pourrait exposer ta fausse grossesse et je pourrais perdre ma licence médicale. Ou même aller en prison. Non. Je ne fais pas partie de ça. Je t'ai payé au complet pour les services que tu m'as rendus, hein? Alors t'as qu'à aller te débrouiller. Ce ne sont pas mes affaires. Oh oui, tu fais partie de ça. Chaque procédure qu'on a suivie a été enregistrée et documentée. Si je descends, toi, tu descendras avec moi. Je ne t'ai jamais obligé. Injecte-lui ceci pendant qu'elle sera dans son sommeil. Et ce sera tout. Bonjour Laura. Hein? Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, je vais bien. Bonjour. Je t'ai acheté quelque chose. Merci, oh. Tu vas bien? Oh, je vais bien, je vais bien. Ça fait du bien. Hein? Hein? Qui
Ben pour toi. Ben. Ah, Ben, oh. Il était mon partenaire d'affaires. Bonjour, monsieur. Ah, Laura. Oui, monsieur. Je vois que tu es déjà là. Tu es toujours à l'heure. Est-ce que tu sais pourquoi je t'aime? Oui, monsieur. Tu respectes toujours l'heure. Merci, monsieur. Et c'est pour cette raison que je t'aime. Tu es très ponctuel. Merci, monsieur. Je dois faire ce que je dois faire. Bien. Alors, Laura. Oui, monsieur. Actuellement, il y a beaucoup de demandes pour les bébés. Ok. Et je sais que nous pouvons avoir une relation professionnelle très harmonieuse. Mais je veux que tu me fasses une faveur maintenant. Ok. Peux-tu introduire d'autres femmes qui, comme toi, pourraient être des mères de substitution? N'importe quoi, je suis partante. Tout ce qui peut rapporter de l'argent, je suis là, je suis là, je suis là. Jean, je suis là. Tu te souviens de notre marché? Ouais. Hein? Mm-hmm. 60% pour le boss. 40 pour moi? Bien. Oui, monsieur. C'est tout. Ok, monsieur. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, d'accord? D'accord. Je vais t'appeler le moment venu. D'accord, monsieur. Ouais. Bye. Nous faisions des affaires de bébé. Nous payons les filles pour concevoir et nous vendons les bébés. Parfois, nous kidnappions des femmes enceintes. Bien que Ben soit un docteur, il dirige une entreprise de bébés. Ce mec est dangereux. Mais il m'a vraiment offensée. Meg, j'ai vu l'alerte. Je croyais qu'on avait un accord où tu me payes 40%. Alors pourquoi les 20? Je te parle et tu manipules ton téléphone. J'ai dit pourquoi les 20%? Est-ce que tu réalises même le risque que je prends en amenant ces filles? Mec, pourquoi tu m'as payé 20%? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi m'as-tu payé 20%? Je veux dire, je te parle et tu manipules ton téléphone. Pourquoi m'as-tu donné 20%? Regarde comment tu me fixes. Pardon, arrête-toi là. Où crois-tu? Ah! Mais... Ah! Comment oses-tu me parler d'une façon aussi arrogante? Je t'ai ramassé dans les égouts. Et je peux te donner n'importe quel montant qui me chante. Ben, tu m'as giflé? Ben, tu m'as giflé? Je vais me rassurer de t'exposer. M'exposer, moi? Tu ne vivras pas pour dire cette vérité. Depuis ce jour, il est après moi. On a été l'un après l'autre, je dirais. Donc, ça c'est la cause de nos problèmes. Donc... Quelque chose ne tourne pas rond. Que veux-tu dire? Non. Tu sais, la plupart de ces victimes sont souvent des femmes. Surtout des femmes qui cherchent des enfants. Ils les droguent et les maltraitent. T'as dit qu'il... T'as dit qu'il est drogue et les maltraite? Il est un monstre. Ah.
Tu étais vraiment dans la merde à cause de tout cet alcool que tu as consommé la nuit dernière au bar. Je croyais que ce serait mieux que je t'emmène chez moi pour que tu te reposes un peu. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je vais te chercher un truc à manger. Tu vas bien? Oui, oui, ça va. Oh. Tu vas bien? Je vais bien. Okay. Tu es sûre que tu vas bien? Ok. Ok. Je vais y aller maintenant, ok? Ok. Et s'il te plaît, n'hésite pas. N'hésite pas de m'appeler si tu as besoin de quelque chose. N'hésite pas, d'accord? Pas de problème, pas de problème. Prends soin de toi. Ok. Merci. Bye. Au revoir. Salut bébé. Salut bébé. Pourquoi regardes-tu mon postérieur? Parce que ton postérieur est le plus beau que j'ai. Bébé. Tu sais, si Timmy était un accomplissement, je serais fier de dire que je le suis vraiment. Oui, parce que je t'aime énormément et je pourrais tout faire pour te rendre heureuse. Bébé, tu sais quoi? Faisons ça. Je veux dire, marions-nous. Ouais, faisons-le là la semaine prochaine. Et nous pouvons juste le faire une bonne fois pour toutes et nous serons là l'un pour l'autre pour le restant de nos vies. Bébé, allez, ouais, je pense que c'est le bon moment, je sens que c'est... Je ne peux pas. Bébé? Non, je ne peux pas. Allez, bébé, je veux dire, marions-nous. N'est-ce pas ce que nous voulons tous les deux? Bébé, allez, on peut juste appeler le pasteur. Juste un petit truc, pas un grand. Juste faisons-le et je sais que tu aimes. Que tu aimes les trucs discrets. Je ne peux pas. Pourquoi? Bébé, je t'aime du plus profond de mon cœur. Je t'aime vraiment. Avec tout ce que j'ai, tu sais que t'es la meilleure chose qui me soit arrivée. T'es le meilleur homme que j'ai jamais eu. J'ai tellement eu envie. J'ai tellement eu envie de t'entendre me dire d'être épousée. J'ai tout fait pour que ça marche. Mais... dans l'état actuel des choses,
t'épouser. Tu es quoi? Est-ce une blague? Si c'est une blague, dis-moi. Dis-moi que c'est une blague, s'il te plaît. Bébé. Regarde. Dis-moi maintenant que... que c'est une blague, s'il te plaît. Regarde, je suis juste... Je suis juste reconnaissante de t'avoir donné cette chose que ton cœur adore le plus. Notre fille. Bébé. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je ne crois pas que... Je ne crois pas que je sois assez bonne pour toi. Je suis désolée, je... Oh mon Dieu. Je suis désolée. Dis-moi la vérité. Est-ce que mon enfant a un jumeau? D'où est-ce que tu sors ça? J'ai parlé avec la mère porteuse. Eh bien, tu me devais de l'argent, alors j'ai dû le vendre. Pour pouvoir récupérer mon argent. Le ? Un garçon? T'as vendu mon garçon juste pour récupérer une somme d'argent que je te devais. Tu ne m'as payé que pour un seul bébé. Pas pour des jumeaux. Et un bébé, c'est ce que je t'ai donné. Et avec quel sperme et ovule as-tu... Oh, je t'en prie, épargne-moi ça. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse te donner des jumeaux? Bon sang, non. J'ai vendu l'autre à un bon prix pour me faire encore plus d'argent, bien sûr. Et d'ailleurs, oh mon Dieu, tu voulais juste quelque chose qui pourrait t'attacher à ton copain pour pouvoir réaliser tes rêves. Ta conscience est morte. T'es cruel, impitoyable. Oui, je suis le diable, je suis le démon. Je suis le seul humain avec une conscience morte. Tu as terminé? Tu as très vite oublié comment tu es venu en me suppliant et en rampant dans mon bureau. En me disant comment la compagnie de ton petit ami était sur le point de l'envoyer à l'étranger dans quelques mois et comment tu avais besoin d'un bébé pour pouvoir l'empêcher de t'abandonner. Si je n'avais pas été là et sans mon intervention rapide, ta relation serait un échec aujourd'hui. Je ne voulais pas juste le garder à mes côtés. Je voulais un bébé comme ça on pourrait partager un lien très fort. Mais c'est ce que je t'ai donné. N'est-ce pas ce que tu as obtenu? Tu ne comprends pas l'ampleur de ce que tu as fait. Eh bien, tu sais que si cette dame a donné naissance à des jumeaux, alors tous ces enfants m'appartiennent. Tous. Comment as-tu pu me faire cela? Pourquoi? Je t'ai fait confiance. Je me suis confiée à toi. Tu m'as dit que je pouvais te faire confiance et je l'ai fait. Je devais payer. Est-ce que je n'ai pas payé assez? Tu m'as agressé pour la mort de Dieu. Assez. Qui est-ce qui ferait une affaire illégale avec une belle et magnifique femme comme toi, avec un corps pareil et ne pas vouloir le dévorer? Je le ferai. Et je le ferai encore. Encore et encore. Et encore. Et si jamais tu le disais à quiconque, ou même à ton copain, le monde entier saura comment tu as simulé ta grossesse. Est-ce que tu m'as entendu? Tu
l'aimais. Elle est morte. Oui, elle est morte. Bien. Je vais me charger de son cadavre. Vous devez faire quelque chose. Vous devez m'aider, s'il vous plaît. Je suis désespérée. Je dois porter son enfant, s'il vous plaît. Madame, l'une de vos trompes de Fallope est bouchée. Alors je vous propose de continuer de prendre vos médicaments et attendre les résultats. Mais vous avez proposé une mère porteuse. Eh bien, ça c'est parce que j'aime aider. Je vais rassembler vos ovules, les fertiliser avec le sperme de votre copain et mettre l'embryon dans un autre utérus pour la gestation, vous comprenez? Alors nous allons devoir récupérer les échantillons. Ok, combien de temps est-ce que ça peut prendre? Pourrait-il y avoir obstruction? Non, aucune obstruction. Lorsque le transfert de l'embryon sera fait, la mère porteuse le reçoit. Nous devons généralement envisager 1 an et demi. Splash, c'est elle. Je veux que tu surveilles chacun de ses mouvements. Suis-la partout où qu'elle aille. Surveille tous ses mouvements, tous ceux avec qui elle interagit. Et si elle fait un truc bizarre, frappe. Que faire s'il y a des instructions? Tu connais la patrie, quand les choses se compliquent. Les plus forts entrent en jeu. Bien. Qui est là? Qui est là? C'est moi. Va-t'en. Est-ce que tu es venu seul? Oui. Tu frimes toujours sans aucune conscience que... Sans toi, ma relation serait morte en ce moment même. En tes propres mots, ton intervention rapide a sauvé ma relation. Voilà que cette même relation que tu as construite, tu l'as détruite. Qu'est-ce que j'ai gagné dans tout ça? J'ai gravé la montagne la plus difficile avec toi juste pour garder mon homme, mais t'as détruit tout ce qu'on a bâti. Sophia, pourquoi est-ce que tu es ici? Je suis venue te donner ce que tu désires le plus sur moi. Mon corps. Vas-y, prends-le. Fais de moi tout ce dont tu voudras, mais s'il te plaît, dis-moi qui t'a vendu mon fils. Tu veux bien enlever tes mains de moi? Comment oses-tu croire que tu peux me séduire comme bon te semble? Aucune femme ne s'offre à moi par elle-même. Je prends ce que je veux, comme je le veux. Et au cas où tu l'aurais oublié, tu sais, ma puce, je l'aime très brutale. Je préfère quand tu résistes. T'es un monstre. Oh oui, je le sais. Et chaque fois que je le voudrais, je prendrai exactement tout ce que je veux. Tant que j'en aurai besoin.
Et ceci inclut ton corps. Oh. Écoute, la vérité a été révélée et j'ai tout perdu. J'ai perdu mon âme. Dois-je aussi perdre mon fils? Ben, s'il te plaît. S'il te plaît, remets-moi juste mon fils. Je te donnerai n'importe quelle somme que tu voudras. Très bien alors. 5 millions. Verse-moi 5 millions et je demanderai à mes hommes de kidnapper ton fils. Où est-ce que je suis censée prendre cette grosse somme d'argent? Cela ne me concerne en aucun cas. C'est toi qui as dit que tu feras le maximum. Oh, oh non. Oh. Je ne peux même pas le prendre chez mon copain parce qu'il est même pas là. Ça fait déjà un mois qu'il est à Abuja. Comment vais-je le manipuler pour avoir cet argent? Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Ne me demande pas. Tu es une femme. Fais ce que les femmes font. Livre-toi. Vends ton corps. Vendre mon corps? T'as perdu la tête? Comment peux-tu me proposer une chose aussi ridicule? Eh bien, c'est toi qui as dit que tu ferais le maximum, n'est-ce pas vrai? Verse-moi la somme convenue et je te réunirai avec ton fils. Eh bien... Marché conclu. Boss, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Allez, va-t'en, 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 va-t'en. En liquide ou par transfert? Du cash. Tu peux sortir maintenant. Je ne lui fais vraiment pas confiance. Moi non plus. Je veux à présent que tu la suives. Où qu'elle aille, chaque mouvement qu'elle fera, si jamais elle fait un truc bizarre, tu sais quoi faire. D'accord, boss. Très bien.
pas de prendre des photos? Oui, bien sûr. Bien. Prends-en et envoie-les-moi immédiatement. Je vais y aller. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ? Eh bien, j'ai peur qu'elle ait dit quelque chose de bizarre et est entrée. Une tâche aussi simple et tu me dis que tu as foiré. Est-ce qu'elle t'a vu? Non, mais elle a constaté que quelqu'un la surveillait. Alors tu as dû perdre ton chemin. Elle ne peut pas te voir parce que si c'était le cas, elle aurait déjà quitté les lieux. J'ai nagé dans les océans les plus profonds, et pourtant je n'ai jamais été englouti. J'ai nagé dans les mers les plus agitées, et jusqu'ici je n'ai jamais été englouti. Est-ce la pitoyable rivière de Sofia qui va m'engloutir? Sofia, je t'écraserai de mes propres mains. Comment as-tu osé me mentir? Comment oses-tu jouer avec mon intelligence? En me disant que Laura est morte, et pourtant elle est en vie. Tu n'es rien d'autre qu'un petit pou. Boss, j'étais capable d'obtenir les informations sur Sophie et Laura. Oui. J'ai rencontré sa ménagère, et je l'ai fait parler. Elle m'a dit que son mari, ou son copain, est parti à Abuja Yacht, c'est là un mois. Et Sophia est sortie ce matin. Et elle n'est pas encore rentrée. Et Laura? Je suis allé à l'hôtel où elle est logée. J'ai rencontré la réceptionniste. Et elle m'a dit que Laura est sortie sans ses affaires. Il est possible qu'elle revienne. Est-ce que tu as le numéro de la chambre? Oui. Chambre 304. Laura est partie. Sophia est partie. J'espère que ces deux-là ne mijotent rien. Je connais pratiquement tous les moyens possibles sur comment avoir Sophia. Mais mon souci est de savoir comment avoir Laura.
mon chemin. Je ne traverserai pas le tien non plus. D'accord? D'accord. Passe vite. Quoi? Ça ne faisait pas partie du marché. Nous avons un nouveau marché maintenant. Pas d'argent, pas de marché. Boss, pourquoi n'avez-vous pas injecté? Pas maintenant. Au moins jusqu'à ce qu'on mette Laura hors du chemin. Et puis après cela, elle paiera pour chaque désagrément. Elle paiera pour tous les désagréments qu'elle a pu me causer, je t'assure, et encore plus. Je la ferai souffrir. Laura. 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 Ah. Laura. J'ai été obligé de la tuer. Tu ne peux pas imaginer la merde dans laquelle elle aurait pu nous mettre. Nous devons couvrir notre merde, d'accord? Tu ne diras absolument rien à la police, c'est pas vrai? Parce que si tu le fais, je leur dirai que nous sommes impliqués dans cette affaire ensemble. Viens, viens voir papa. Viens, viens. La prochaine! Thank you.
Amène mon enfant chez ma sœur, maintenant. Hein? Et si elle demande pourquoi t'es là, dis-lui juste que je voulais que vous soyez avec elle pour un moment pour lui tenir compagnie. Et si tu ne me vois pas, après 3 jours, donne-lui cette clé. Vas-y. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Jeffrey. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens là. Sophia, qu'est-ce que t'as? Mais... Quoi? Mais dis-moi, de quoi est-ce que tu parles? Tout ce que je t'ai dit sur moi n'était que des mensonges et escroqueries. S'il te plaît. De quoi est-ce que tu parles? Je suis désolée. Je suis désolée que tout ces temps je t'ai menti et trompé. Mais dis-moi, de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai jamais été enceinte. J'ai simulé la grossesse. Mais... De quoi est-ce que tu parles? Si t'as jamais été enceinte, alors... Qui est la mère de mon enfant? Sophia? Sophia. Jeffrey, je sais que tu seras en colère contre moi, mais c'est bon. C'est bon que la vérité soit connue maintenant. Je n'ai pas porté la grossesse de notre fille. Je suis désolée, bébé. J'ai essayé de tomber enceinte de toi parce que je t'aime. Et je ne vais pas te perdre. Mais ça n'a pas marché. Alors, j'ai... Oh, bébé, je suis désolée. Je suis désolée, je suis allée voir un docteur. Un docteur et il m'a conseillé de droguer et prendre ton sperme pour une mère porteuse. Donc, tu m'as drogué. T'as volé mon sperme. Pour une mère porteuse. Quoi? Je suis désolée, bébé, mais tu dois me comprendre. C'est parce que je t'aime énormément. Je t'aime énormément, bébé, s'il te plaît. Lâche-moi. Je ne veux pas te perdre, bébé, s'il te plaît. J'ai même emprunté de l'argent à mon entreprise. J'ai payé des millions, s'il te plaît, bébé. Je suis désolée. Je suis désolée, bébé, pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, tu m'as drogué. T'as foncé mon sperme. Pourquoi? Bébé, je suis désolée. Je suis désolée, s'il te plaît. Un appel vidéo. Et quand j'ai rentré, j'ai touché ton ventre. J'ai touché ton ventre. Il a simulé mon ventre. Il a simulé mon ventre, bébé. Je suis désolée. Je suis désolée. Mais qu'est-ce que tu racontes, Sophia? T'es folle. Je suis désolée. Non. Tu m'as droguée. T'as fait tout cela pourquoi? Parce que je n'arrive pas à croire que tu m'es prêt pour ton cobaye. Sophia, est-ce que ça en valait la peine? Mais c'est quoi cette stupidité? Je suis désolée. Comment t'es sûr que je suis le père de cet enfant? Comment? Non, bébé, c'est ton enfant. C'est ton enfant, bébé. Oui, c'est ton enfant. Ce sont tes enfants. Oui, bébé, tous deux sont tes enfants. Et j'en suis certaine parce que j'ai fait un test ADN. Et c'est sorti positif. Bébé, j'en suis sûre. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est ton enfant. Bébé, s'il te plaît. Ne t'approche pas de moi. Incroyable. Bébé, s'il te plaît. Non, bébé, non, dégage. Ne me laisse
Écoute-moi. Si jamais tu essaies encore ça avec moi une fois de plus, je vais m'assurer que plus jamais tu ne vois l'aube d'un autre jour, est-ce que tu m'as compris? Je pourrais aussi très bien t'injecter comme mes autres victimes. Mais j'ai choisi de profiter. De plus en plus. L'ambulance est allée avec lui. Donc vous pouvez passer au poste et faire votre déposition. D'accord, monsieur. D'accord. J'espère vous voir là-bas. D'accord. Merci pour tout, monsieur. Passez une bonne journée. D'accord, à vous aussi. Merci, monsieur. Que fais-tu encore ici? Peux-tu aller à l'intérieur, faire tes valises et sortir de ma maison? J'ai dit d'aller à l'intérieur, faire tes valises et sortir de ma maison, maintenant. Jeff, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en prie, au nom de Dieu. Je sais que ce que ma sœur a fait est très mal. Je n'ai pas pu le croire moi-même après qu'elle me l'ait dit. Je suis également déçue. Mais j'aimerais que tu comprennes que quoi qu'elle ait fait, elle l'a fait par amour, parce qu'elle ne voulait pas te perdre. Ah, j'ai honte. S'il te plaît, essaie juste de ton cœur de bonté. Pardonne-la. Je t'en prie, pardonne-la. Elle l'a fait par amour. S'il te plaît, je ne sais pas quoi dire d'autre. Pardonne-la. Et si la toi qu'elle m'avait donnée m'avait tué? Et si ça avait détruit quelque chose en moi? Dirais-tu cela? Tu dirais que c'est à cause de l'amour? Okay. C'est quoi cet amour ridicule? Regarde, j'en ai terminé avec toi, et avec toi, et avec tout le monde! Fais tes affaires et sors de chez moi! Je t'en supplie. J'ai dit! Sors de ma maison. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Elle l'a fait par amour. S'il te plaît, je t'en prie. Pourquoi vouloir me garder de cette façon? C'est quoi cette obsession, s'il te plaît? C'est l'amour. Elle est juste folle. Pourquoi? S'il te plaît, je ne sais plus quoi dire. Écoute, sors de chez moi. Et ta sœur a sorti de chez moi. Je ne veux pas te voir et je ne veux pas la voir. Jeff. Je ne veux voir personne de votre famille. Personne. Sors de chez moi maintenant. Jeff, qu'en est-il de l'enfant que la police recherche? Quel enfant? De quel enfant t'es en train de parler? J'ai vu le test d'ADN moi-même. Ils sont tous les deux tes enfants, Jeff. C'est la vérité. S'il te plaît, ne laisse pas la colère te... Crois-moi. Tu sais quoi? Ça m'est égal. Sors, mais égal, sors de chez moi. Et toi, je ne voudrais plus te voir ici. Sors de chez moi. S'il te plaît. Fais ce que vous voulez, mais prends tes affaires et sors de chez moi. Reviens, Jeff. Jeff. Je t'avais prévenu, C'est de ça dont je parlais. Je t'ai prévenu. C'est bon, lève-toi, c'est bon. Lève-toi, allons-y. Lève-toi, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, lève-toi. Ok, tout ira bien, viens là. Calme-toi. Calme-toi, lève-toi, allons-y, je parlerai avec lui. Bonjour, Sophia. Est-ce que ce monstre vous a dit où se trouve mon fils? Je m'attendais à la plus simple des réponses. Un bonjour, mademoiselle Sophia. Il n'y a rien de bon ce matin. Répondez juste à ma question, s'il vous plaît. Vous voyez, depuis que j'exerce dans cette profession, je n'ai jamais rencontré un criminel aussi résistant que le docteur Ben. Nous avons fait de notre mieux, mais il refuse de dire quoi que ce soit. Ah, il a refusé de dire quoi que ce soit. Et vous dites que vous avez fait de votre mieux? Votre mieux. Comprenez-vous la définition de ce mot?
Je déteste quand les gens prétendent avoir fait de leur mieux alors qu'ils n'ont rien pour prouver cela. Votre meilleur ne produit apparemment aucun résultat. Mais pourtant, vous vous placez ici, sans honte, et prétendez avoir fait de votre mieux. Sophia. Sophia. S'il te plaît, Kiram, ferme-la. Ferme-la juste et laisse-moi dire ce que je pense. Inspecteur Frank. Vous avez un enfant, n'est-ce pas? Très bien. Savez-vous ce que c'est que perdre un enfant? Est-ce que vous connaissez la douleur de perdre un enfant? Le connaissez-vous? Avez-vous déjà vu un lion blessé? Vous n'avez pas sans doute. C'est pour cela que vous montrez votre incompétence. Vous n'êtes sans doute pas un professionnel dans ce que vous faites. Et puis vous tenez là et dites clairement que vous n'avez pas fait votre travail. Mademoiselle Sophia, s'il vous plaît, vous êtes déjà en train de me manquer de respect. Oh, je vous en prie, je n'ai même pas encore commencé. J'ai encore des choses pires à dire. Sophia, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu as perdu tes bonnes manières? Kiram, la ferme! Non, toi! Oh. Disparaissez de ma vue! Tout de suite! Tous les deux, allez-vous-en! Inspecteur! Foutez le sang! Foutez le rôle! J'ai dit sortez! Partez de chez moi! D'ici. Sortez! S'il vous plaît, je suis vraiment, vraiment désolée. Vous savez qu'elle n'est pas souvent comme ça. Tout ce drame lui fait perdre la tête en ce moment. Pardonnez-lui, je vous en prie. Elle a besoin d'aide. Je comprends. Je comprends très bien. Elle fait une dépression. Mais savez-vous ce qui me ferait du bien? S'il vous plaît, allez-y. Essayez vraiment de prendre soin d'elle. Je le ferai. Vous voyez, c'est ce qui me ferait du bien. Merci, inspecteur, merci. Je n'ai pas du tout aimé la façon dont tu as parlé à l'inspecteur Frank. C'est quoi ton problème? Cet homme fait de son mieux pour que tu sois à nouveau réuni avec ton fils. Il est même allé loin en disant à son supérieur de s'occuper de ton cas, juste à cause de toi. Et tu insultes un homme aussi mature que lui. Sophia, c'est quoi ton problème? Toi. Tu es mon problème. Sophia. Moi? Oui, t'es le commencement de tout ceci. Comment suis-je la cause de tes problèmes? Mets-moi à la page, s'il te plaît. Allez, vas-y, reprends. Comment suis-je la cause de tes problèmes? Kiram, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, ok? Pas maintenant, va-t'en. À te voir, c'est insupportable pour moi. Tu me fais mal. Va-t'en. Laisse-moi tranquille maintenant, s'il te plaît. Je vais réfléchir sur quoi faire de ma vie. Je n'arrive pas à voir le mal que j'ai fait. Je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. T'encourager, te soutenir. J'étais là pour toi pendant tes moments de douleur et de joie. Tout ce que je voulais était ton bonheur. Kiram, tu vois, s'il te plaît, ton attitude de sainte en ce moment, hein? Je ne la supporte pas. Je ne la supporte pas du tout. T'as pas pu t'aider, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vivais ma vie très bien, mais t'as pas pu t'empêcher de frimer sur comment Samy te traitait. Comment Samy t'a acheté ceci? Samy t'a acheté cela? Comment Samy va t'amener en vacances? Comment il te traitait comme une reine? T'as pas pu. Et tu l'as fait encore, encore, encore et encore. Et tu n'as même pas pensé dans ta petite tête combien cela pouvait m'affecter. Tu l'as-tu demandé? Kiram, je suis ta seule sœur. Sans un homme. Tu crois que c'est ce que je voulais entendre? T'as pas pensé que cela pourrait me rendre déprimée et désespérée? Bien sûr que Jeffrey est venu et j'ai fait ce que j'ai fait.
Mais tu es ma sœur. La seule personne avec qui je partage mon bonheur. Je croyais que tu étais heureuse et réjouissais avec moi tout ce temps. Donc, même la dernière nouvelle t'a bouleversée? J'aurais dû... J'aurais dû garder mon secret pour moi seule. Oui, j'aurais dû oui. garder pour moi toute seule. T'aurais dû garder ta bonne nouvelle pour toi-même. Au lieu de totalement me tourmenter. Oui, me tourmenter sans fin. T'aurais dû garder ça pour toi-même. Félicitations, ok? T'as bien fait. T'as bien fait. Très bientôt, tu vas marcher vers le thème, non. pas moi. Non, 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 moi, non, 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 ne dis pas ça. Non, je ne voulais. J'ai caché ma vie. Non, je ne voulais. J'ai tout perdu, Kiram. C'est bon, Sophia. J'ai tout perdu. Je te promets, je ne voulais pas que ce soit comme ça. Calme-toi. Calme-toi, Sophia. Je suis désolée. Calme-toi, calme-toi. Je ne voulais pas que ce soit ainsi. Je suis vraiment désolée, Sophia. D'accord, mademoiselle Sophia. J'ai de bonnes nouvelles pour vous, mademoiselle. Le criminel a fini par parler. Et on sait déjà où se trouve votre fils. Ça mérite une célébration. Nous sommes allés à la maison familiale. Il y avait un couple. Après avoir longuement discuté avec eux, ils ont refusé de nous remettre le bébé. Mais je leur ai parlé et je leur ai expliqué pourquoi ils devaient nous remettre le bébé. Ils ont insisté qu'on apporte un test d'ADN. Oui, oui, ce n'est pas du tout un problème. Nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes, oui. Alors, mademoiselle Sophia, j'aurai besoin de vous demain au poste. Vous pouvez venir ensemble. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Venez ensemble si vous voulez. Mais attendez, inspecteur, comment l'avez-vous poussé à parler? Oui. Les intellos de mon équipe et moi avons implémenté des stratégies dont actuellement son hôpital et son laboratoire ont été fermés. Si tout se passe bien, la semaine prochaine, il sera devant les juges. C'est très bien. Pas de paix pour les méchants. Inspecteur Frank. Félicitations. Inspecteur Frank. Je veux que ce monstre pourrisse en prison. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Oh, merci beaucoup, inspecteur Frank. Je vous en prie. Ah. Viens là. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Je te l'avais bien dit. Je te l'avais dit. Cher Jeffrey, aucun mot ne peut exprimer à quel point je suis désolée. La vie est remplie de tristesse, mais je ne regrette jamais de t'avoir rencontré. Peu importe le temps qui passera entre nous, tu ne cesseras jamais d'être celui que j'aime de tout mon cœur. Si je devais te rencontrer à nouveau, même en connaissant cette tristesse, je vais sans doute retomber amoureuse de toi. Solopin, tu trouveras le résultat du test d'ADN. S'il te plaît, prends soin de nos bébés parce que c'est la seule chose pour laquelle tu pourras te rappeler de moi. Sophia. Ça va aller. Ça va aller. Ça ira. Ça va aller.
Ça va, ça va. Ça ira. Ça ira, ça ira. Pourquoi t'es de mauvaise humeur? Tu vas bien? Qu'y a-t-il? J'ai acheté de la nourriture pour bébé. Kiram? Je ne peux plus du tout faire ça. Je ne crois pas que je pourrais encore le faire. Tu peux le faire. Tu es une femme forte. Les souvenirs ont dit que c'est une chose merveilleuse. Si seulement tu restes dans le passé, alors tu peux le faire. En fait, tu as déjà commencé à le faire. Viens, allons à l'intérieur, ma chère. Ces bébés me font toujours penser à Jeffrey et tout ce que j'ai traversé. Je croyais qu'on avait dit plus Jeffrey. Tu dois vivre une nouvelle vie. Je les ai ramenés chez Jeffrey. Quoi? Qu'as-tu ramené à Jeffrey? Non, c'est une blague. Sophia, tu plaisantes? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire une telle chose? Ça veut dire que ces enfants ne voulaient rien dire pour toi? Hormis tout ce que tu as traversé? Ils sont la seule consolation que tu as. Ils partagent plus de liens avec toi que quiconque. C'est comme ça que tu veux vivre ta vie. Sans vision. Sans enfants. Sans confiance en soi. Tu ne sais pas ce que ces enfants signifient pour moi. Pour ce que tu as fait, j'en ai terminé avec toi. J'en ai vraiment terminé avec toi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je ne voulais juste pas être traumatisée, tu le sais. Je suis désolée. Laisse-moi tranquille. Qui est là? C'est moi. S'il te plaît, calme-toi. Quand une femme aime, elle l'aime avec son corps, son cœur et sa pensée pour garder sa relation en marche. Dieu merci, je l'ai trouvée par coïncidence. Elle était en train de se faire du mal. Elle m'a tout expliqué et... Jeff, je peux t'assurer qu'elle a fait tout ce qu'il y avait de possible pour faire de toi son mari. Ses enfants en ton sang. S'il te plaît, privilégie la miséricorde. À la justice, comme ça tu pourrais avoir une famille unie. S'il te plaît, je t'en prie, je t'en prie. Jeff. Jeff, s'il te plaît. Viens là. Allez. N'aie pas peur. Viens là. Bébé.
Je t'aime. Je t'aime encore plus. Nos enfants n'attendent que toi. Je suis sûr que tu les as manqués. Viens, allons à l'intérieur. Okay. D'accord. Merci, bébé. Merci, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci, le meilleur de toutes les mères. Merci, Dieu. Merci, Seigneur. Allons-y. Merci. Je t'aime, bébé. Allons à l'intérieur. Merci.